Mine, Marc, Kylian et Zoé jouaient avec des dinosaures quand Canard et Monsieur Poisson vinrent les retrouver. Oh! Qu'est-ce que c'est que ça? Je n'ai jamais vu un jouet comme ça. Quel est ce drôle d'animal? Marc, en entendant cela, alla vite chercher un livre dans lequel il pourrait se renseigner. Il y a des millions d'années, dans une très ancienne ère, il y avait des dinosaures qui vivaient sur notre terre. Certains marchaient sur la terre, d'autres nageaient dans la mer. Il y en avait aussi qui volaient dans les airs. Regarde ses dents à celui-ci, elles sont bien pointues. Lui c'est le T-Rex, oui c'est le T-Rex. Des dinosaures, il est le roi. Il a une longue queue qui descend. Tout le monde s'enfuit devant lui dès qu'il montre ses grandes dents. Oh, il me fait peur. Regarde celui-là, il ressemble à un rhinocéros. Lui c'est le Triceratops, oui c'est un Triceratops. Il ne mange que des feuilles et ressemble à un rhino. Il a deux cornes sur la tête et une sur le museau. Petit canard, tu as vu celui qui vole dans le ciel? Oh oui, un dinosaure volant. Et voici le ptérosaure, oui ça c'est un ptérosaure. Il a une tête allongée, mais aussi de grandes ailes. Comme une sorte de dragon, il vole haut dans le ciel. Oh, 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 il a de plus grandes ailes que moi, je ne peux pas le rattraper. Il y a des millions d'années, dans une très ancienne ère, il y avait des dinosaures qui vivaient sur notre terre. Certains marchaient sur la terre, d'autres nageaient dans la mer. Il y en avait aussi qui volaient dans les airs. Regardez, vous voyez derrière moi, ce dinosaure est vraiment gigantesque. Et voici l'apatosaure, oui voici l'apatosaure. Le plus grand des dinosaures, avec son cou de girafe. Il peut manger même les feuilles qui sont très haut dans les arbres. Bon appétit, gentil apatosaure. Oh, là-bas, il y en a un qui a des écailles sur le dos. On l'appelle le stégosaure, oui, lui, c'est le stégosaure. Des écailles sur le dos, sur la queue des épines pointues. Avec son corps de géant, il avance comme une tortue. C'est sûr qu'il marche aussi lentement qu'une tortue. Je me demande s'il y en a qui peuvent aller très vite. Il y a le vélociraptor, c'est lui le vélociraptor. Il a des dents acérées et il court à toute allure. Tu devrais te dépêcher si tu ne veux pas qu'il te capture. Oh, je crois qu'on ferait mieux de partir d'ici maintenant. Il y a des millions d'années, dans une très ancienne ère, il y avait des dinosaures qui vivaient sur notre terre. Certains marchaient sur la terre, d'autres nageaient dans la mer. Il y en avait aussi qui volaient dans les airs. Il y a des millions d'années, dans une très ancienne ère, il y avait des dinosaures qui vivaient sur notre terre. Certains marchaient sur la terre, d'autres nageaient dans la mer. Il y en avait aussi qui volaient.